Wesh l'équipe, aujourd'hui on est avec Ryan Jabri. Ryan, qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui à Toulouse? Ouais, on était à Toulouse, on a fait le Winner Case ce week-end, donc il y en avait deux. J'ai gagné celui de samedi et celui de dimanche, j'ai fait top 4. Je devais gagner mon match top 4 vraiment de ouf et avec le temps, tout ça, j'ai un peu mal joué. Bon, c'est ma faute. En plus, je perds contre Neftis, je le sens, donc ça va. Et j'ai joué très bien ce week-end, la même decklist pour les deux tournois, donc voilà. Vas-y, on va passer à ta decklist. Ouais. Du coup, je jouais 3 fractales, 3 kits, 3 nervales, 2 keras, parce qu'on ne veut pas en avoir 2 dans la main. Je suis un pauvre, j'ai pas de True Blade. Du coup, c'est une honte les autres que je joue, mais je joue ces 3-là. Bon, Rapière obligatoire et ceux-là, les deux games. Ram et Wiltail. On entrap, je jouais 3 Nibiru. C'est pas vraiment la meilleure entrap ce format-là. Mais en vrai, j'ai réussi à attraper Ignister, j'ai réussi à attraper quelques Drytron, j'ai réussi à attraper un Dragon Link aussi. Donc au final, les games qui m'a fait gagner Nibiru, franchement, je regrette pas de l'avoir joué. Donc 3 Nib, 3 Bell, bon, ça c'est normal, pour qui de miroir, et 3 H. Et ensuite, jouer 3 Imperm pour les entrap, et voilà. Ensuite, je vais 3 pots des désirs. C'est obligatoire. Obligatoire. 3 pots des désirs. 3 tankies. Un barrage. Je joue zo, donc normal. Et 3 TTT. Je veux voir ta main là. Et là, je t'ai chauffé. Ouais, tu me fais une entrap, je veux voir ta main. On voit ton dragon là. Là, Fais-moi ouais. chauffer 2 secondes. Vas-y. Montre-le-moi en 2-2 le dragon là. Regarde. Bah, justement, le dragon, je l'ai pris. Ça y est, la caméra elle est tombée. Un TTT incroyable. Hein. Juste le fait de regarder la main, tu sais ce que tu vas negate, tu sais ce que tu vas bannir avec Shoreg, enfin révolte. Non, trop fort TTT. Ensuite, en piège, 3 révoltes. J'ai décidé d'en mettre 3. Avant, j'en jouais que 2. Là, j'en mets 3. Parce qu'en vrai, c'est bien de la hard draw des fois. Ça permet de finir juste avec. Comment il s'appelle, le ancien Warrior Oath. Et d'avoir révolte en plus. Donc ça va. Et order, franchement. Genre, c'est la meilleure, mais je crois que je l'ai utilisée une fois. Pas de ouf. En extra, 2 Shoreg, 2 Ferrigite. Maintenant, on en joue 2 parce que il faut avoir le combo TK en fait dans l'extra deck. Donc, c'est faire effet d'intrigue brigade, spé Shoreg, faire Link 2 avec Ferrigite, retuto avec Shoreg n'importe quelle tri brigade, refaire un effet de tri brigade. Et en gros, ça te fait faire Access Code plus un autre monstre et ça te donne le létal, un Dirwom, un Rugal, les targets, je sais pas comment il s'appelle, Doomeagle, un Os, ça c'est les targets autre brigade, un Mirage, bon, quand même il est cool, un Access Code les hommes, une Impalooza, et ensuite les trois Zodiacs et Zeus. Ah, Zeus, vraiment trop fort. Ensuite en side sur 3 contre la contaxé. Ouais, j'ai Metacall, comme il s'appelle, Pranky des Tri-Brigades. Du coup, dans mon side, c'était obligé d'avoir ça. Jouer 3 drôles. C'est les seules cartes qui étaient vraiment trop trop fortes contre Drytron. J'en ai pas beaucoup, c'est vrai, en side. D'habitude, je joue aussi 3 Cycle Rider ou au moins 3 Meister. Mais là, j'ai mis les 3 contacts C, du coup j'avais plus de place, j'ai mis que 3 drones, 3 Drytron. 3 Twin, 3 Orage, la meilleure carte, franchement, vraiment trop trop forte. Elle fait gagner les miroirs, elle fait gagner contre les points kits, contre les decks macro. Et 3 Droplets, j'ai beaucoup hésité à la jouer main deck et jouer Nibiru en side. Mais en fait, c'est mieux de la jouer en side, je pense. Parce que Nibiru, manche une, personne joue autour. Et genre t'en fais un, c'est gagné, c'est une manche gagnée. Alors que Droplet, quoi qu'il arrive, tu sais qu'elle doit être dans le main ou dans le side. Donc au final, c'est une carte que tu peux pas jouer autour en fait. Donc voilà, c'est tout pour le deck. Est-ce que tu as des derniers mots peut-être? Ouais, des shoutouts à la team quand même, BCP, des hommes. Au Deathgate de Nantes, là, je sais pas comment il s'appelle. Eddie quand même, qui va gagner
la loot case avec Neftis. Ouais, les Parisiens, et voilà. On va dire. Les gars, on espère que ça aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et faire tout le bordel. Ça va arriver, Cyber Dragon Fort, là. Allez, Des clofages d'art, des Cyber Dragon. ciao! Vas-y.